Bonsoir, merci pour nous pour ce bulletin aujourd'hui, mardi le 17 octobre. Nous commençons avec un grand titre. Premier forum, l'éradication de la pauvreté dans State House aujourd'hui pour commémorer le 25e anniversaire de la journée mondiale d'éradication de la pauvreté. Travailler la santé et pliser les autres partenaires à travers information et complices, le kimoyer pour faire bonne intervention en cas de maladie contagieuse qui fatale et arrive cessez. À partir de janvier l'année prochaine, l'Institut Guy Morel pour ne plus fonctionner par rapport à l'Université Cécile, mais aux provinces de l'institution indépendante. Un comité parlementaire sud-africain a fait une enquête devant une allégation de corruption dans le gouvernement, corruption qui arrive jusqu'à le bureau président Jacob Zuma. Nouvelle en détail à présent. En ce qui concerne bon dernier développement, la situation la peste dans le pays, l'autorité de la santé publique, il fait ressortir qu'aujourd'hui, il fait 9e jour depuis qu'il s'est mis à l'hôpital et il n'a pas aucun symptôme et il est aussi stable. Dès le communiqué que sa l'autorité a fait sortir, il dit que d'après le procédure médical, SMC n'est plus affecté, mais il compte même rester en isolation pour continuer son dose antibiotique. Les autres 11 patients, bon cas suspect dans l'hôpital stable, et peuvent suivre le traitement. Je n'ai pas aucun symptôme la piste. Pour ça, 577 enfants et 63 enseignants de l'école Boileau, primaire et la crèche, sont fini arrivé 7 jours après dernier contact avec ses enfants qui cas suspect qui sont admis à l'hôpital. Je n'ai plus la surveillance passive. Clinique Beauvalon, la rivière anglaise, les mamelles, en Boileau, en Royal et Baie-Saint-Anne-Pralin, mais continuer à servir pour évaluer contact et donner prophylaxis. Entre-temps, le ministère de la Santé, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, WHO, organise information aujourd'hui le kimoye pour faire une intervention en cas de maladie contagieuse qui fatale y arrive cessez. À part différents travailleurs, le ministère de la Santé y aussi en a les autres partenaires qui peuvent assister sa formation par la Société la Croix-Rouge cessez, représentants militaires avec la police et département qui se risque avec désastre. Des experts sortis WHO, ils font différentes présentations en ce qui concerne l'intervention, surtout là qui paye en un bon cas suspect pour la peste. Pour capable faire face avec aucune épidémie, bonne maladie contagieuse qui fatale, pays y besoin bien équipé et bon travailler la santé, différentes organisations et départements qui peuvent impliquer dans empêcher que sa maladie y propage, y besoin en compétence pour faire face avec sa situation. Justement, ministère de la Santé avec l'Organisation mondiale de la santé, WHO, il organise information insoumise le qui manier pour faire bonne intervention en cas de maladie contagieuse y arrive cessez. Sa formation tient en participation bon travailleur ministère de la Santé, inclus qui bon les autres partenaires pareil Société la Croix-Rouge, représentants militaires avec la police et département qui zère risque et désastre. L'équipe bonne volontaire la Croix-Rouge descend dans cette information par exemple après l'état de bonne crisis, désastre, autres hôpitaux dans communauté, hôpital faire bonne assessment. So ça training aujourd'hui bénéficier aux autres c'est sous les y renforcer un peu autres capacités. Officier liaison WHO pour Cécile, docteur Tenin Kaguru indique que WHO est content la façon que l'autorité de la santé in fait face avec un cas suspect, la peste. On came in on Sunday the 8th and within 1 week so much has happened. It's really commendable for many reasons. One, also recognizing that the capacity in the country is limited, not because they don't have skilled health workers, but because of numbers. I would like to also emphasize something else that has not probably been highlighted, and that is the commitment of the government that there's even a contingency fund. That is not normally very frequent in other African countries. Responsable unit surveillance et l'intervention pour maladie, Dr. Justin Bibi, il dit qu'il est important pour donner toute formation nécessaire ben di moun qui pour impliquer dans aucune intervention contre maladie contagieuse. C'est-à-dire, si on a aucun patient qui paraît qu'il gagne sa maladie, paraît nous suspecter lié à sa maladie, nous besoin de tout bon les autres des monde qui capable venir gagner en contact avec les cosa y a quelque chose qui besoin gagner faire de la communauté pour nous à road un bon possiblement bon contact et pareil d'accord plague la peste nous besoin suivre autres pendant 7 jours
et ça est ça l'exercice qu'on besoin dans notre sa bagage on est plus capable aller plus capable comprendre quoi qu'ils ont pédé avec tout ben si les symptômes qui sa maladie est capable exhibiter pour être capable de voir un nouveau cas au plus vite possible et pour nous capable réinitier encore sa process of contact tracing par nous dit en anglais. Président Danifo, une fait visite sa facilité l'abri qui donné à soi qui situé Notice Point et qui est administré par département affaires sociales et qui offre temporaire l'abri pour du monde qui a besoin. Président, tu gagne une visite guidée bonne facilité et aperçu l'opération tous les jours avec secteur principal pour département affaires sociales madame Linda William Melanie ensemble avec administrateur à l'abri Maria Doudé et assistant administrateur Denise Dufresne. Travailler à l'abri c'est aussi discuter et faire ressortir bon certains défis qu'ils ont fait face avec et aussi l'équipement et ressources qu'ils ont besoin pour aider à améliorer les services qu'ils ont fournis. L'abri il y a une capacité pour 14 monde et peut fonctionner depuis 2013. Le président Fort a aussi gagné l'opportunité de rencontrer 4 habitants à l'abri qui sont bien contents pour gagner un sens interacter avec les autres et discuter avec le président les autres expériences les passées. Premier forum pour l'éradication de la pauvreté en fait State House aujourd'hui, ça en fait pour commémorer 25e anniversaire de la journée mondiale d'éradication de la pauvreté qui aujourd'hui. Ce forum est assisté par le président de la République, M. Danifo, plusieurs ministres, représentants de la société civile, de l'Église, la Banque, la Somme Commerce, parmi les autres. Ça, avec lui, discute le bon plan pour développer une stratégie qui prend l'impact direct sur les gens qui peuvent vivre dans la pauvreté. Secrétaire d'État contre la pauvreté, M. Dick Esparon, dit qu'il forum il pour assurer qu'il y ait une approche coordonnée en ce qui concerne l'éradication de la pauvreté dans le pays. C'est extrêmement important ce forum national à cause de la pauvreté une dimension multidimensionnelle. Alors, à cause il passe à travers la majorité des secteurs, et il est important qu'il y ait une approche qui involve tout le monde de telle façon qu'il voit comment un bonne action qui société bon ça veut dire non seulement gouvernement mais tout le monde qui d'une façon ou l'autre capable contribuer pour adresser ce problème de la pauvreté. Monsieur Esparon il dit que dans ce forum nous avons discuté comme d'accord le bonne action qui peut gagner prend et pour gagner prend après l'étude de la pauvreté qui est fait dans sa 4 districts de la région centrale de récemment et là-dedans le président donne clair direction avec support discussion tout le monde sa forum pour nous prendre action sur sa situation. Et si il y a une situation qui est déplorable, qui est déplorable là-dedans, il y a adressé, il y a adressé dans une période de temps bien définie. Pas pour drague avec, pas pour traîner avec, mais adressé avec à cause. Il n'y a pas une situation qui est normale pour le monde vivre là-dedans. Il y a plusieurs actions qui ont discuté pour prendre et prendre. Pour amener un bon résultat immédiat, de telle façon que ça cesse la pauvreté et gagne traité de sa complexité pareille. CEPS, TIENS, l'organisation qui assiste à ce forum, et son chairman, M. Joshua Roy, dit qu'ils ont apprécié qu'il y ait une décision concrète qu'il y prend pour ce forum. Nous nous satisfaisons que le président, ensemble avec le forum, ait décidé pour intervenir de suite. De bon cas, par exemple, dans l'extrême pauvreté. Et ça montre que même si on a bon l'argent en place, il y en a parfois bon crack. Il y en a malheureusement bon l'argent qui, parfois malheureusement, ne sont pas nécessairement capables de pick-up bonne situation. Alors là, une décision qui prend, qui intervention rapide qui fait pour assister à ce monde qui vraiment dans situation extrême la pauvreté. Après, plus important, c'est nous besoin aussi un power ce monde citoyen à cause de temps de sortie dans situation, nous besoin capable aider pour qu'il pas retombe là-dedans encore. Sur l'éducation est important. Après, moi quoi un quelque chose important, c'est qu'il nous regarde monde qui le borderline besoin à cause d'un monde aussi qui pas nécessairement une tombe dans situation, mais il au salani côté important nous regarder qui l'intervention qui m'a facilité qui support que nous dans les autres pour éviter que la quantité du monde qui dans la pauvreté augmente. Et pour cette forum pour faire encore 3 mois. Guy Morel, institut qui trouvait majeur pour séparer avec l'université Cécile après qu'ils ont l'union pas passé. L'aider l'institution pour fonctionner indépendant et ça pour prendre l'effet en janvier l'année prochaine.
L'Institut Gemorel, ancien Institut National Gestion SIM, paraît beaucoup connu, si bien établi en 1987 par Défunt Gemorel avec bi d'une formation bonne comptable, plus tard sa l'institution, il nous fait formation professionnelle, bonne timoun qui déjà dans l'emploi pour aider dans son travail. En 2013, le gouvernement y prend décision pour faire Gemorel Institute fonctionner par même parasol que l'Université Cécile. Après 5 ans avec UNICE, décision est prise pour séparer les autres. Doyenne à l'institution, Mme Sheila Mohidin, il dit que ça a causé de l'institution, il y a différents objectifs, ils ont aussi offert des services différents. Et nous voyons, pendant cette dernière année, que ça a des business différents, et ils sont tellement différents qu'il est un peu difficile pour être capable de cohabiter dans une seule institution. Alors, la décision est une grande qui nous sépare et ça qui est capable de focus les autres mandats différents. L'université a focus le training académique et le Gemorel Institute a focus le training professionnel. Des semaines passées, le conseil ministre a pris une décision pour séparer de l'institution et ça pour prendre l'effet en janvier l'année prochaine. Les autres challenges que nous faisons, c'est tout service centralisé en soyal, qui nous ici, majeur, il y en a des délais, qui nous sentons un petit peu isolés. Il y en a bonne décision qui gagne faire, qui y en a des délais, il y a bonne décision plutôt pour l'université et ou qui peut run sa training professionnel ou senti qui n'est pas nécessairement bonne décision qui dans l'intérêt. Mais seulement quand même ça, il y a un challenge qui m'en croit, il fait nous plus fort. Doyen sa l'institution et dit qu'à l'avenir, ils ont souhaité offrir plus de variété cours. Nous voulons continuer à travailler avec l'organisation, le gouvernement et aussi le privé pour nous capables de continuer à développer un training qui est relevant pour cesser là en ce moment. Nous pouvons imaginer introduire une course qui focus le behavioral change à cause de nous réaliser workforce cesser et bon pays, dis-moi, il y a des required skills, il y a des required knowledge, mais sur le même type l'attitude en travers towards travail qui baisse sans nous. Et aussi nous le développer un petit peu entrepreneurship. À cause nous n'en est qu'il si côté l'état ou l'école, il dit l'école à l'eau de l'ouvrage. Nous laissons un petit peu ça qu'il si côté l'école, mais créer ou l'emploi ou même, pas développer un petit business. De sa 30 ans d'existence, l'Institut Gemorel donne formation et grand quantité de monde qui donne l'emploi à travers plusieurs cours tels que comptabilité, gestion business et une bonne pratique et façon faire pour donner bon service consommateur. Parmi les autres cours. Speaker de l'Assemblée nationale, Patrick Pilène, adresse 137e l'Assemblée générale l'Union interparlementaire qui peut faire Saint-Pétersbourg, la Russie. Une cause de l'importance, partage diversité, son influence, le renforce sa l'Assemblée et délivre son aspiration. L'étant est type cause de diversité et promotion participation, speaker l'Assemblée nationale Cécile, tu remercie sa l'Assemblée pour créer l'espace pour mener parlement national ben petit l'état asile pour rencontrer dans cadre sa l'Assemblée parlementaire pour discuter ben sujet pertinent. L'honorable Pilé, il demande l'Assemblée IPU pour considérer un l'espace pour que la voix ben petit l'état asile y gagne écouter, et spécialement le sujet qui concerne changement climat. Il y aussi mentionne situation parlementaire Cécile, côté l'exécutif et que parlement peut travailler ensemble pour bien-être pays. Il fait ressortir que sa cohabitation est nécessaire pour stabilité et progrès et comment speaker l'Assemblée nationale, il y en a un rôle important pour jouer pour assurer que sa nouveau statut parlementaire y gagne maintenir. Pendant sa rencontre, Speaker Pilé dit ensemble avec son collègue sorti Fiji, Dr. Gico Louveni, fait une rencontre avec les autres petits États-Unis en baptême qui moyen ben parlement petit États-Unis est capable de s'enzer, exciser changement climat. Bonne discussion tient en pour bi faire débat le qui moyen ben parlement national est capable d'organiser, exciser changement climat des processus législatifs. Speaker Pilé, ensemble avec son délégation, membre de l'Assemblée nationale, il a aussi fait causerie avec député Tiemen, conseiller fédération, l'Assemblée fédérale, la Russie.
Chef Ziz Matilda Toumi peut participer d'une conférence sur l'intégrité judiciaire qui peut faire la Namibie. Bi sa conférence qui est organisée par Bureau Nations Unies pour drogue et crime, UNODC, c'est pour discuter l'établissement un réseau global pour l'intégrité judiciaire. Sa l'initiative respectée une plateforme internationale pour support bon efforts national, régional et global pour renforcer l'intégrité judiciaire. Sa conférence UNODC peut aussi explorer efforts qu'il fait par bon l'instance judiciaire l'Afrique pour renforcer l'intégrité judiciaire ayant en intention identifier bon pratiques aussi bien qui bon défis et problèmes qu'ils sont capables de faire face avec. Assistant registrat Marion Joël Babé peut aussi assister à sa conférence qui terminait aujourd'hui. Reconnaître, respect et récompense travailleur. Imoto, nouveau l'union travailleur qui appelle Seychelles Labour Union. C'est Alain Saint-Onge, ancien ministre tourisme, qui tient sa nouveau l'union travailleur. Et M. Peter Sinon, ancien ministre pour l'agriculture et la pêche, et secrétaire général. Zodi, qui ont l'objectif, c'est pour valoriser, défendre droit travailleur et dans zot bagage. Et qui pour le moment, zot n'a pas l'intention de former parti politique. C'est pendant une rencontre à côté de l'hôtel Savoy qui Seychelles Labour Union qui a dévoilé avec public présent côté sa rencontre qui travaillait plusieurs professions parmi certains travailleurs qui travaillent pour eux-mêmes pareil driver taxi et pick-up et certains maçons. C'est Alain Saint-Ange, ancien ministre tourisme qui chairman Seychelles Labour Union et Peter Sinon, ancien ministre pour l'agriculture et la pêche et secrétaire général, et M. Eve Anthony, vice-chairman. En tout, il y en a 14 membres de son comité exécutif. L'objectif principal, c'est pour défendre droit travailleur, améliorer toutes conditions de travail et en même temps travailler pour assurer qu'il y ait un entrepreneur qui emploie les autres travailleurs et gagne bonnes conditions qui favorables. Pour être dans l'intérêt travailleur, ça n'a pas sens du tout. Mais aussi pour être dans l'intérêt plus grand, parce que c'est son droit. Mais comment il est capable de ça, son responsabilité plus bien. Ça veut dire training, upskilling, capacity building, tout ça là pour former globalement partie de nos objectifs que nous voulons atteindre. À part défendre droit des travailleurs, Seychelles Labour Union y a visé et organise les autres activités pour son bon membre. Nous avons déjà pu assiser, pu imaginer, par exemple, qui le 1er mai signifie pour nous et pour travailler. Qui nous pour faire, qui est une activité nous pour faire pour commémorer ce jour. Définitivement, nous prenons une structure et une structure pour une façon pour nous capables de communiquer, interacter avec différents secteurs dans l'économie, pour différents travailleurs, différents types de travailleurs. Dans le passé, ben, l'Union travailleurs est affiliée avec un parti politique et vu que c'est deux politiciens sortis de parti des PEP qui sont membres fondateurs et aussi le comité exécutif Seychelles Labour Union, question c'est est-ce qu'à présent, je n'ai pas l'intention de former un propre parti politique? Si ça l'Union évolue pour venir un parti politique, il peut dépendre de la situation qui m'a évolué. Pareil, tout quelque chose. Mais nous, l'objectif, là aujourd'hui, qu'on peut faire cette interview là, c'est pour créer un union indépendant. Nous n'avons pas aucun objectif pour faire un parti politique. Seychelles Labour Union n'a qu'un idée gouvernement pour faire un plan d'aide pour le pays. Et notre prochaine activité, c'est pour enregistrer sa union. Une fois enregistré, notre bureau pour baser Victoria. Pour première fois, un groupe PC Bobara et nous ensemble pour former une nouvelle association. Ça, l'association y appelle Sea Cucumber Harvesting Association. Élection membre ça, l'association t'y fait hier côté cantine SFA et tient même sa nouvelle association Marcus Cat indique qui ça pour permettre d'autres bonnes PC qui fait sa travail bénéficier dans plusieurs domaines. Certains noms y encore rappel sa scène et semaine passée, quand un PC Bobara t'y groupé pour exprimer son mécontentement à cause de pas satisfait avec rendement qui s'est gagné en ni avec conditions de travail. Là, j'ai décidé de ensemble avec un PC, un petit bateau qui nous dit un skipper, un plongeur, pour former notre propre association qui pour cause le autres pas. C'est Marc Scott qui a été chairman de l'association. L'association a bénéficié nous. Verbalement,
Et aussi, nous travaillons, c'est pas facile, nous quittons nos familles derrière, nous avons dit comment l'association que nous faisons aujourd'hui pour venir bénéfice pour la façon nous gagnons payer, la façon nous gagnons traiter et pour faire connaître le public que nous aussi nous là, nous aussi nous parlons pour mettre bon point concerné devant, qui en a pour être bon travailleur, qui aussi qui là, qui gagne problème injuries et bon qui gagne problème injuries, qui sont aussi autres qui gagnent. Mettre d'autres points devant et qui ont aussi d'autres qui forment par l'association qui aident avec d'autres familles pour nous booster devant. C'est l'autorité de la PCC, SFE, qui normalement dicte saison quand qui s'abonne PCE, capable de la PCE Mabara et aide les autres conditions attestées avec la PCE à l'espèce en ballon mer. D'après SFE, ça y a cause de recesse qui ont été fait le stock Mabara pendant plusieurs années. Il donne d'autres indications qu'ils ont des vrais contrôles sur l'espèce pour un pêche qui est exploité pour qu'il tout le temps assez pour bonne pêcher la pêche. Secrétaire de sa nouvelle association, Mervin Sidras, il dit qu'il ont tantiné l'air qu'ils ont en été l'association et il dit qu'il aime cette bonne première tasse, c'est pour justement joindre avec l'autorité de la PCC et mettre devant cette bonne consigne et conditions. Et pour la première fois qu'il est arrivé ça, tout le monde babara, il l'a aujourd'hui, première fois comme ça. Il y a un moment vraiment important pour nous. Mais pour moi, tout nous l'avons attendu. Et nous sentons forts aujourd'hui. Nous parlons pour nous aller devant avec SFV, avec ben du monde qui processe, assiste à un meeting, aux exos, mais nous prenons devant, nos conditions. Il arrive un état pour nous faire nos propres conditions avec ça. Il me semble aussi dire qu'il existe parmi plusieurs points qui sont dans l'association Sea Cucumber Harvesting et commence à dire là comme quelque chose que l'association envisage d'adresser bientôt. En attendant, on peut espérer que l'association a son statut légal pour officiellement commencer à dire comment est l'association qui va reconnaître dans son totalité. Bon travailleur artisanal Côte Village artisan au Cap Indi qui ont apprécié qui démarre s'il commencer pour faire rénovation de bon kiosque en bois qui est dans un mauvais état de sal endroit. Ça il forme partie un plus grand initiative pour promouvoir domaine Val des Prés et créer un nom pour lui-même. Sa projet est expecté coûte environ 1 million roupies en tout. Travail maintenance par une appelé il nécessaire le n'importe qui bâtiment de temps en temps. Ça pour éviter faire bonne plique en rénovation après qui coûte beaucoup plus l'argent. Existément là qui sa bonne kiosque de village artisanal au Cap il vieillit, ça l'endroit y montrer qu'il l'est pour faire rénovation. Et un des touristes qui nous cause avec, il dit qu'ils ont remarqué que oui, ça il est cas. I think if you renovate that all and renovate it heavily, it will lose a lot of spirit. If you're coming somewhere like this, you want to see it sort of looking rustic, natural, but maybe just a bit more lively. Vu qu'il y en a plusieurs années qui s'abonnent à kiosque qui construit, certains parties droitées y coulaient à cause d'eau qui rouillait et fait trou dans sa bonne bâtiment. En tout, il y en a 12 kiosques, un bon artiste qui est dans un sa bonne kiosque, Goulben Nouris, il dit qu'il parlait sa bonne morceau qui n'a varié avec bonne kiosque, il y a un vrai embarrassement pour eux autres. Les temps qu'ils ont rentré en contact avec touristes. Bon, je fais un commentaire sarcastique. Peut-être que tu as dit, il y a un joli tableau là, comme si, most beautiful painting. Mais peut-être qu'il y a un qui a dit, qui a demandé si pas faire réparation, si, ben, comme, si nous payons rent, ben, quelque chose comme ça. Je suis vraiment content à cause qu'il y a parti un peu. Ça a un bout qui n'est pas agréable pour guetter. Bon travail à construction est expecté commencer rénovation de sa bonne kiosque bientôt. Il y a un travail qui n'est pas expecté dit plus que 10 semaines. C'est l'exécutif Fondation L'Héritage Cécile, membre Benjamin Rose, il dit qu'il est en travail terminé le sa village artisanal et expecté transformer pendant une nouvelle façade beaucoup plus attirant en général. Nous voyons les nécessaires pour faire sa bonne rénovation. À cause bon qui aussi voyez m'a gagné abîmé et alors bon vendeurs ont besoin un endroit plus convenable, plus bien, plus présentable pour d'autres vendeurs de bons produits. Il y a un clip pour nous brand
Nord domaine de Val-des-Prés, on a pareil confiture, nougat, chips bonhomme, chips mayo, qui nous a brandy en bas domaine de Val-des-Prés, qui les touristes, ils viennent dans le village, les mêmes, ils sont toujours capables d'acheter un petit souvenir, un petit quelque chose en bas de domaine de Val-des-Prés. Et ça y a de nous, pas juste créer un petit travail pour du monde de la communauté, mais aussi donne visibilité à l'endroit. Mme Rosie dit qu'il travaille rénovation et expecte commencer deuxième semaine, mois novembre. Voilà, ça, c'est nos bulletins pour aujourd'hui. Merci pour ce bulletin.